Batata ba mama mutampa wa mwangana Kinkalacha selangana Pangala ya buza ye Tataba mama mutampa wa mwangana Kambo Kinkalacha telangana Mangala ya buza ye Bakuluntu banti Miaka basisi Yatuo weka kwata bimbakila Bakuluntu banti Miaka basisi Yatuo weka kwata bimbakila Batata ba mama mutampa wa mwangana Kinkalacha telangana Pangala ya buza Batata ba mama mutampa wa mwangana Kambo Kinkalacha telangana Mangala ya buza ye Meno kanzololo bangwezi balembo kabako Chani tiba yangari Meno kanzololo bangwezi balembo kabako Wontindu bayangari Bakuluntu bansi Miaka basisi Yatuo weka kwata bimbakila Batata ba mama mutampa wa mwangana Kinkalacha telangana Pangala ya buza ye Batata ba mama mutampa wa mwangana Kambo Kinkalacha telangana Bakaka yula bayula ka Unanga manantangu Nabudia minantangu Waketi kulansi Ni ule chitulankuyu Waketi kulansi Ni ule chitulankuyu Batata ba mama mutampa wa mwangana Kinkalacha telangana Pangala ya buza ye Meno kanzololo bangwezi balembo kabako Chaneti bayangari Bakuluntu banti Miaka basisi Yatuo weka kwata bimbakila
Thank you.
Nous allons une fois de plus demander à Jacques Loubello de venir nous distraire. Jacques Loubello, à vous. Qui me suscite sur le départ.
Yeah.
Comment qu'il y a là? Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée des membres du gouvernement. Nous vous annonçons gouvernemental et de privatisation. Mabuko. Messieurs, une date, celle du jeudi 7 juin 2007. Deux repères. Primo, la destruction d'armes de guerre, les armes de la honte à travers un grand bûcher. Secondo, l'ouverture de la concertation citoyenne des filles et fils du Poule. Un lieu, l'historique place Matsua de Kinkala. Mesdames, Messieurs, distingués invités, au regard de tout ce que le département a connu, nul n'est besoin de rappeler ici, car en fait, les uns et les autres avions été témoins de ces événements, témoins de ce que notre département a connu. A-t-il avancé? A-t-il stagné ou reculé? La réponse est toute simple, je pense. Devant les peines des filles et fils du Poule, la désolation, sinon la destruction de notre patrimoine, les intelligences se sont regroupées pour dire pourquoi cela. Pourquoi encore continuer de s'arc-bouter sur des situations pourtant sans lendemain. Avec le poids du temps, de l'analyse des faits et tout en projetant l'avenir, les filles et fils du Poule ont choisi faire preuve de grandeur, de ressaisissement en vue de l'aplanissement de leurs incompréhensions pour enfin avancer. La concertation citoyenne des filles et fils du Poule se justifie à cet effet. Concerter, oui, pour préparer l'exécution de projets, d'intentions,
se concerter, oui également, pour se mettre d'accord sur un certain nombre de choses et agir ensemble. L'événement ici présent, qui vient à point nommé et qui s'offre à nous, s'articulera sur un certain nombre d'activités, à savoir 1. La destruction d'armes de guerre à travers le grand bûcher qui est dressé devant nous. 2. L'ouverture des travaux de la concertation citoyenne dès la fin de la première activité. Pour la destruction des armes, le cérémonial prévoit ce qui suit. Le mot de M. le préfet, il était également prévu le mot du président du CNR, le mot du commissaire général du comité de suivi de la Convention pour la paix et la reconstruction du Congo. Ensuite, nous inviterons l'officier artificier à bien pouvoir demander à M. le Premier ministre pour la mise en feu des armes. Voilà ce que prévoit le cérémonial. Chargé de la coordination de l'action gouvernementale, représentant son Excellence Monsieur le Président de la République, distingués membres du gouvernement, Monsieur les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, Leur Excellence Anatole et Monseigneur Portela. Monsieur les membres du comité préparatoire d'organisation de la concertation citoyenne, distingués invités, mesdames, messieurs, qu'il me soit permis, à la faveur de l'événement de ce jour, que je puisse formuler à l'endroit de tous nos hôtes ici présents la bienvenue et un bon séjour de travail à Kinkala, capitale de notre hospitalière terre du département de Poul. Distingués invités, mesdames, messieurs, grande est notre joie ce jour, parce que cet événement longtemps souhaité, attendu et recherché arrive enfin à sa concrétisation. Nous voici devant l'histoire témoin d'un grand événement aussi grand d'importance, fin de symbole que les filles et fils du Poul ne pourront jamais oublier. Merci pour cette paix véritablement retrouvée. Distingués invités, mesdames et messieurs, ce jeudi 7 juin 2007 ouvre pour une ère nouvelle pour le département et la République. L'occasion est toute indiquée pour remercier son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour avoir créé toutes les conditions permissives à la paix dans le département du Poul. Merci pour son implication personnelle. Que son Excellence trouve ici, par ma voix, toute la reconnaissance des fils et filles du Poul. Merci également à tous ceux qui, de loin ou de près, ont œuvré pour le rétablissement de la paix véritable dans notre département. Merci aux hommes d'Église. Merci, Excellence Louis Porter Bouyou, évêque de Kinkala, pour la patience et la persévérance exprimées. Merci à M. Frédéric Binsangou, fils du Poul, délégué général auprès du président de la République, chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. Distingués invités, mesdames, messieurs, il y a un temps pour faire la guerre
un temps pour faire la paix. L'heure est désormais à la paix et nous disons plus jamais ça. Ressaisissons-nous, faisons l'union, la concorde, la reconstruction ensemble de notre département. Monsieur le Premier ministre, les filles et fils du département du Poul disent définitivement non à la guerre. Veuillez transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, cet engagement de cœur et la parole donnée, vive la paix au Poul, je vous remercie.
mot de monsieur le préfet du département du Poul, nous allons inviter Jacques Loubello pour une prestation artistique. Jacques Loubello, à vous. Il en dit que sa mère c'est la terre et que son père c'est le ciel. Si toi tu t'imagines qu'il est le maître des nuits, des jours, mais qu'on ne connaît pas l'amour est bien plus vaste que le fleuve qui coule jusqu'aux portes du village. L'amour est bien plus profond que le fleuve dont on ne voit jamais l'autre rivage. L'amour est bien plus profond que le fleuve comblé par les rivières et les orages. Si toi tu t'imagines il est le maître des nuits, des jours, mais qu'on ne connaît pas l'amour. Congo, Ekolo, na biso to bongisa yango, Congo. Congo, jeto ya mbote mbote, tu fwetisari la jeto. Congo, jeto ya nene yena, tu fwetito mesa jeto. Tu fwetisolo sono, tu fwetisala sana, moko tuto mesa jeto. Tu fuiti solo sono, tu fuiti sala sana, moko tutto messaggio tu. Tu lingana e, tu yokana e, tu sali sana malamu, bongo tu bongisa kongo. Batata ba mama mutamba wa mwangana. Batata ba mama mutamba wa mwangana, kingala ketelangana, pangala ya buza ye. Bakulutu banshi, miaka basisi, yatu waweka kwa tabi mbakila. Bakaka yula bayula ka nagamananta abutiaminanta. Merci Jacques Loubello. À présent, mesdames, messieurs, nous allons inviter. Messieurs les membres de la délégation de la communauté internationale, messieurs les membres de la délégation gouvernementale, messieurs le Premier ministre, chers et frères, nous disons aujourd'hui est un jour qui sera gravé dans notre histoire. Et c'est une occasion pour nous aujourd'hui de dire notre version sur tout ce que
les gens ont mis sur notre dos. Depuis la Conférence nationale souveraine, notre pays avait tourné la page de l'unicratie, optant pour un régime de démocratie pluraliste. Et chacun de nous, selon le désir ou le choix qu'il pouvait porter, pouvait appartenir à n'importe quel parti politique, d'où nombreux ont adhéré, pour certains, dans l'UPADES, MCDDI, EPCT et tous les autres partis. Nous ne sommes pas arrivés jusqu'au terme du mandat qui avait été élu. Dans ce temps-là, nous n'étions pas ensemble avec ceux qui gouvernaient. Nous étions à la base. Quand nous avons appris que les choses ne marchaient plus dans les rangs des gouvernants, il y a eu la guerre en 1997. Et nous, à la base, chacun de nous a cherché les moyens de s'abriter. Et moi, je suis venu dans le pôle, principalement à Goma Tsetse, pour laisser passer ce temps-là. La guerre a continué. C'est quand j'étais dans le pôle que nous apprenons que le gouvernement élu démocratiquement a été déchu et que le président Sassou Nguesso était arrivé au pouvoir. Nous nous sommes dit, c'est sûr que il prendra tout le monde en compte et que nous, qui sommes des citoyens, puisqu'il ne peut pas être président sans qu'il y ait des citoyens qu'il pourra commander. Nous avons traversé des moments difficiles. Et tous ceux qui sont présents ici, peut-être pour certains, étaient avec nous ici dans le pôle. Au départ, nous n'avions eu aucune ambition politique pour dire que parce qu'on voulait être qui, ou soit c'est parce qu'on voulait conquérir un pouvoir. C'est un soulèvement populaire, c'est un ras-le-bol. La jeunesse du sud de la République du Congo, c'est-à-dire les départements du pôle, la Bouenza, la Lepoumou, le Niari, s'était levé en désobéissance civile légitimée dans le préambule de la Constitution du 15 mars 1992. Ce soulèvement n'était pas organisé par quelqu'un pour dire que, au départ, parce que le CNR était d'abord un parti politique et que le président du CNR avait beaucoup d'argent et qu'il voulait avoir à sa suite des gens qui devraient le soutenir. Au départ, ce qu'il y a eu au pays n'avait pas de tête, c'est-à-dire n'avait pas de dirigeant. Et quand je me retrouve au milieu de ces jeunes martyrisés, et pourtant, moi j'étais un homme libre, je n'étais ni un ninja, ni un militaire, ni un homme politique. Je suis allé vers eux avec le message que j'avais eu de la part de Dieu pour leur dire que Dieu est le père des orphelins et qu'eux n'étaient pas délaissés si seulement ils pouvaient respecter les principes de Dieu, s'abstenir de tout ce qui peut être mauvais à l'égard ou à l'endroit du prochain, quelles que soient les tracasseries, Dieu ne les laisserait pas.
Il y a eu des gens qui m'ont tant pris, mais pour certains, puisqu'ils ne me connaissaient pas au départ, c'était pas facile. Et après, quand nous étions dans le plein de la guerre, les cadres qui avaient fui la guerre, c'est comme j'avais expliqué au départ que nous n'étions pas une organisation au départ. Donc ceux qui étaient dans le pool se sont retrouvés. Ils ont dit que nous ne pouvons pas laisser cette jeunesse qui est sur le terrain de combat, alors que nous, les grandes personnes, nous sommes ici. Nous pouvons réfléchir de manière à apporter aussi notre concours, notre contribution. Même si nous ne pouvons pas tenir les armes comme eux, mais nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Les cadres qui étaient dans les anciennes zones de conflit sont venus me contacter pour nous soumettre des propositions. Mais entre-temps, les autres départements, la Bouenza, la Lekoumou, le Niari, eux aussi là-bas dans le Liboland, se sont organisés. Et pour que nous soyons un pour une stratégie commune, entre-temps, il était question que nous puissions nous retrouver. On ne pouvait pas laisser le pôle, nous tous, pour que nous nous déportions pour aller jusqu'au Niboland, à Komono, où s'était tenue la grande réunion. Nous, ici dans le pôle, nous avons envoyé une délégation de 8 personnes seulement qui sont allées jusqu'à Komono pour aller participer à cette rencontre-là. Et c'est à Komono, dans le Niboland, que tous ceux-là qui se retrouvaient dans la dynamique de la résistance ont élu à la tête d'un mouvement qu'ils ont créé là-bas, dénommé Conseil national de la résistance. Le Conseil national de la résistance a été créé dans le Niboland, pas par Ntoumi, mais par la population qui était dans la désobéissance civile, comme le stipule la constitution du 15 mars 1992. La délégation que j'ai envoyée est rentrée dans le pôle. C'est la délégation qui va me ramener l'information que c'est vous qui avez été élu à la tête de ce mouvement. C'est un mouvement populaire, ce n'était pas un parti politique. Ça montrait que les bases de tous les partis politiques qui étaient au pouvoir déchu, c'est-à-dire l'UPADES, le MCDDI, le RDD et les autres partis, c'est cette base-là qui s'était levée en désobéissance civile pour rappeler la notion démocratique au président Sassou qui était venu d'arriver au pouvoir. Mais nous ne sommes pas une rébellion. Nous n'avons pas commandé des armes et moi je n'ai armé personne. Au départ, quand cette situation va commencer, je n'étais pas connu de tous ceux-là qui me connaissent aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites parce qu'il n'y avait qu'une seule version. Nous étions enclavés, on ne pouvait pas parler parce qu'on disait que c'est un groupuscule et ce sont des gens qui n'ont pas la notion politique. Beaucoup de choses se disaient. Et après, nous avons commis une délégation qui est allée au Libreville, au Gabon, pour aller prendre contact avec son Excellence El Hadj Omar Bongo pour trouver une solution négociée. La délégation a atteint Libreville, c'était au mois de novembre. Et après, ils étaient reçus. Le président Bongo a appelé son homologue, le président Sassou Brazzaville, qui a envoyé à son tour aussi une délégation jusqu'à Libreville pour commencer les négociations. L'accord que nous avons signé est un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités
entre le haut commandement de la force publique mandatée par le gouvernement d'une part et le haut commandement de la force d'autodéfense de la résistance mandatée par le Conseil national de la résistance d'autre part. Nous avons signé un cessez-le-feu et dans cet accord nous avons énuméré beaucoup de clauses. Mais la question qui était capitale, c'était le grand rendez-vous qui devait se tenir, c'est-à-dire le dialogue national sans exclusive. On m'a exclu à ce dialogue-là et pourtant le demandeur c'est moi. Ils ont prétexté que voilà, il peut être représenté par ces émissaires qui travaillent à Brazzaville. Mais ceux qui sont allés travailler à Brazzaville sont allés travailler pour préparer les conditions des assises du dialogue. Mais le président du CNR, en tant que mandant, n'a pas donné le mandat à ceux-là d'aller lui représenter au dialogue national sans exclusive. Ça, c'est une tricherie. Et aujourd'hui, puisque en Congo, nous nous disons, Wamona Bantu Netisanzo, nous, notre souci, c'est d'être devant témoin. Et pour que nous puissions dire notre point de vue sur tout ce qui s'est passé. Même si aujourd'hui, nous sommes déjà parvenus à une étape, c'est vrai. Mais, puisque c'était une guerre, et quand on fait la guerre, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Aux poursuites judiciaires, nous étions deux parties, mais il faudrait que chaque partie soit responsable de ce qu'il engage. Je le dis au nom de Dieu, depuis que je suis dans cette situation, même si on m'a taxé de terroriste, de bandit, et de toutes les qualifications que les gens ont trouvées pour me noircir, pour me salir. Je vous dis, depuis que j'ai commencé cette guerre, je n'ai jamais tué quelqu'un, je le dis au nom de Dieu. Et je n'ai jamais tiré sur quelqu'un, je le dis au nom de Dieu. Pendant la guerre, nous étions malmenés. Mais on était en face des militaires parfois qui levaient leurs mains et qui jetaient leurs armes. On les prenait, on les gardait, on les protégeait. Et on était soumis à quelles conditions? Et pourtant, mais nous nous sommes arrangés de manière que cela soit un témoignage quand la guerre va finir. Nous les avons protégés. Beaucoup de gens ont présenté cette situation pour dire que c'était des hommes du Nord contre les hommes du Sud. Je dis c'est archi faux. Parce que nombreux, ceux que nous avons pris sur le terrain de combat qui étaient de notre camp, étaient des hommes du Nord. Mais nous ne les avons pas tués. À la fin de la guerre, nous les avons remis aux mains de leur famille. La Croix-Rouge est témoin. Le gouvernement de la République aussi est témoin. Alors, comment quelqu'un qui est terroriste et qu'il trouve des gens qui sont armés, qui sont venus pour le tuer, au lieu qu'il les tue, il les protège encore, il leur donne à manger, il leur couvre s'ils sont nus. Ça, c'était pour justifier tout ce qu'il voulait faire sur moi. Parce qu'à tout prix, c'était pour qu'on me tue. Je suis un citoyen, je suis un Congolais comme tout le monde. Et j'ai le droit de vivre. C'est pour dire que, à l'étape où nous sommes arrivés, c'est vrai, c'est la volonté de toutes les parties, mais c'est parce que aussi nous n'avons pas baissé les bras. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas voulu sacrifier la vérité. Comme l'avait dit le cardinal Malula, vaut mieux se sacrifier pour la vérité que de sacrifier la vérité. La journée d'aujourd'hui est une étape
Mais ce ne veut pas dire que nous mettons entre parenthèses l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités. Ma nomination dans cette institution, la délégation générale chargée à la promotion des valeurs de paix et à la réparation des séquelles de guerre, s'inscrit dans le cadre de la poursuite du dialogue. Parce que le gouvernement avait dit qu'on ne pouvait plus reprendre le dialogue et que le dialogue allait se poursuivre dans les institutions. Il est dit à son article 11 de l'accord que nous avons signé, les parties signataires de cet accord s'engagent à former un bloc solidaire, capable de s'opposer à toutes les forces hostiles à la paix et à la réconciliation nationale, ainsi qu'aux adeptes de la violence sous toutes ses formes. Ce bloc solidaire, nous avons demandé depuis le lancement du DDR à l'UQO le 23 janvier 2004, en présence des ambassadeurs, et là je l'ai encore revu, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Gabon, qui est même appelé par un autre, c'est le doyen, il était présent. L'ambassadeur de la RDC était représenté, le représentant de la Banque mondiale était là. Quand nous avons expliqué le problème et que la situation du pôle ne pouvait se résorber que dans le contexte politique. Et c'est pourquoi la communauté internationale qui était représentée par les ambassadeurs, puisqu'on avait eu un conclave, ils nous ont demandé de faire des propositions. Nous avons dit, nous ne pouvons pas dire non au DDR. Mais nous devrons, il faudrait que l'État, c'est-à-dire le gouvernement, prenne des textes pour mettre en place des structures. C'est au sein de ces structures-là que nous allons nous exprimer. Je veux désigner ceux-là qui devront nous représenter dans des structures telles que le DDR et la commission des questions spécifiques. C'était depuis 2004. Nous avons attendu toute une année, puisqu'ils étaient à l'UQO le 24 janvier 2004 et jusqu'en mars 2005. Mais nous étions là, mais nous sommes quand même des citoyens. Pourquoi on nous prive de tout ce qu'on peut jouir? C'est pas par notre faute si nous sommes encore dans le pôle. Toute une année, le gouvernement n'avait pris aucune disposition. Et après, on va nous appeler que maintenant, nous sommes prêts à désigner ceux-là qui peuvent travailler avec nous. Ils ont pris deux décisions qui mettaient en place la commission DDR et la commission des questions spécifiques. Ces commissions-là sont des structures formelles. Les représentants de toutes les parties étaient inclus. Et nous avons travaillé pendant un mois et quelques jours. La fin des travaux était sanctionnée par un communiqué final qui était signé d'accord parti. Et c'est dans le communiqué final que nous avons énuméré tout ce que nous avons énuméré dans toutes les parties, c'est-à-dire la partie gouvernementale et la partie CNR. Nous n'inventons rien. Nous rappelons seulement de respecter ce qui avait été négocié. On ne peut pas aller signer un document sans d'abord l'avoir négocié. Et quand on le signe déjà, ça montre que les parties impliquées doivent respecter ce qu'ils ont scellé. Je ne suis pas un bandit. Je ne suis pas un barbare. Je ne suis pas un homme versatile comme on me présente. Je suis quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui respecte la parole. Quand je dis une parole, l'autre partie, puisque nous sommes sur un terrain politique, et que puisse changer de stratégie. Aujourd'hui, c'est un tel qu'on vous envoie. Après-demain, ce n'est plus lui. Et celui qu'on a changé, qu'on a encore mandaté, il vient avec d'autres choses. Mais vous aussi, vous ne pouvez plus rester dans la même stratégie, puisque eux, ils ont déjà changé. C'est pour dire que, puisque c'est une concertation citoyenne, tout ce que je dis, même si je le dis en face du Premier ministre, lui, il est là en tant que fils du pôle. Même si
il est de la partie gouvernementale. Mais c'est sûr, peut-être qu'il n'avait pas toute la version. Et c'est pourquoi je suis contraint de dire et d'expliquer tout ce que nous avons vécu. Je vous dis, c'est de la misère que nous avons vécu. Aujourd'hui, si nous sommes au moins arrivés à ce niveau, on peut circuler. Vous pouvez quitter Brazzaville jusqu'ici, que ce soit les bus, les taxis peuvent sillonner librement. C'est parce que c'est un dépassement et nous nous sommes sacrifiés. S'il y a eu le désordre dans le pôle, c'est pas par la responsabilité de Ntoumi. Depuis qu'on avait signé l'accord de cessez-le-feu, j'avais été soumis à un embargo. J'étais pris en étau à Vinza, je ne pouvais pas sortir. Mais pourtant, c'est moi le partenaire de paix avec le gouvernement. Donc depuis 1999 que nous avons signé, 2000, 2001, 2002, quand il y a eu reprise des hostilités, la guerre a repris dans le pôle à Vinza, c'est loin. Mais c'est pas Ntoumi qui s'est déporté avec ses hommes pour venir jusqu'à Brazzaville. Mais c'est à Vinza. Le général Moussa Matoko ne savait pas qu'il y avait déjà des situations dans le pôle quand il est arrivé à Vinza. Malheureusement, il n'est plus en vie aujourd'hui. Il a payé de tout ce qu'il avait connu. C'est pour dire que ceci est une étape. C'est l'implication de la personne du président du CNR directement dans les institutions pour gérer la paix ensemble. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés à un compromis politique. L'ambassadeur, c'est-à-dire son Excellence l'ambassadeur du Gabon, c'est lui que j'avais chargé d'apporter ma correspondance au président Sassou, le chef de l'État, dans laquelle j'avais manifesté toute la volonté politique. Nous avons demandé en ce temps-là, en 2004, au président de la République, pour l'intérêt supérieur de la nation, de mettre en place un gouvernement d'union nationale dans lequel le CNR devrait participer avec l'ensemble des Congolais. Je n'avais pas été répondu. Mais c'était dans les rues que nous avons appris que le président a un mandat. Il a été élu. Ntoumi n'a pas été élu ensemble avec lui. Lui, s'il veut faire la politique, qu'il fasse sa politique, qu'il prépare sa base, qu'il soit élu. Et pourtant, l'accord le disait bien, la formation d'un bloc solidaire. Alors nous, en ce temps-là, on trouvait dans quelle institution nous devrons participer si ce n'est pas à l'exécutif. Mais puisque nous devons garder le dialogue permanent, c'est pourquoi on avait demandé la mise en place d'un gouvernement d'union. Et aujourd'hui, ce qui avait été fait, si j'ai été nommé, c'est nous qui avons proposé lors des commissions pour trouver une issue de sortie et pour que je sois impliqué. Donc, la délégation générale chargée à la promotion des valeurs de paix et à la réparation de séquelles de guerre n'est pas une institution constitutionnelle, mais c'est sous l'égide de la présidence de la République. Puisque nous devons dialoguer, je dois inscrire mon point de vue. Je ne peux m'adresser qu'au chef de l'État directement. Mais ça n'a rien à voir avec la position politique. Nous sommes devenus parti politique. Nous avons dit privilégions d'abord les élections. Après les élections, nous verrons où est-ce que nous irons. Mais pour le moment, puisque nous avons fait la paix, est-ce que je peux dire pour que je sois utile à la République? Je ne peux être qu'à l'opposition. C'est pour que je rappelle
tout ce que je veux trouver qui sera d'anormal. Mais opposition ne veut pas dire la guerre. C'est pour l'intérêt du pays. Et cette opposition que nous allons faire, ce n'est pas une opposition de guerre, mais c'est une opposition constructive. Depuis que nous avons signé l'accord de cessez-le-feu, nous avons dit non à la guerre. Et si nous avons tenu les armes, c'est parce qu'on était obligés. Aujourd'hui, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin que nous ne sommes pas dans cette pensée-là de verser le sang, de tuer. Je suis un homme de Dieu. Et si je dois faire la politique aujourd'hui, c'est une contrainte. C'est pour ne pas observer un vide. Mais ce n'est pas parce que j'avais envie de faire la politique au départ. Tout à l'heure, j'étais avec la délégation du PDDR. Nous avons dit, si nous refutons le PDDR, mais comment nous allons faire avec toute cette lourde charge? Est-ce que j'ai de l'argent, moi, pour prendre en compte ou pour réinsérer toute cette jeunesse? Ce que nous déplorons, c'est la démarche. L'accord que nous avons signé est un accord mixte et paritaire. Alors, le gouvernement a proposé un coordonnateur national, mais nous ne sommes pas représentés dans aucune structure du PNDDR. Mais ce n'est pas possible. Nous demandons seulement que la communauté internationale aussi prenne en compte le CNR et nous allons travailler pour l'intérêt du pays. Mais ce n'est pas un refus. Et ce que nous faisons aujourd'hui est à titre symbolique. C'est vrai, nous étions dans une opération que nous avons dénommée opération de remise d'ordre et de sécurité. Nous avons travaillé. C'était pour prendre les armes aux mains de ceux-là qu'on trouvait qu'ils n'étaient pas dans les règles et dans les principes de notre mouvement. Ces armes-là, c'est moi qui les ai ramassées, qui les ai stockées. On attendait qu'on arrive à ce jour-là, puisque nous avions lancé le DDR au compromis politique. Et jusqu'à aujourd'hui, le CNR attendait. Et quand nous sommes arrivés maintenant à muter notre mouvement en parti politique, nous nous sommes dit, c'est sûr qu'il faut faire un geste. C'est pour tenir une expression devant l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes pas un parti qui aujourd'hui veut rentrer dans la logique des armes. Au contraire, notre mutation est une preuve de plus que nous voulons faire la paix. Le ramassage des armes, que ce soit le désarmement, ne regarde pas seulement Ntumi. Il y a des institutions de gestion de paix qui ont été mises en place par les textes juridiques. Et nous aussi, nous sommes représentés dans ces structures-là. Et il faudrait que nous nous entendions avant d'esquisser n'importe quelle démarche. Parce que le gouvernement n'est pas neutre dans le conflit. Dans l'accord, nous avons dit au chapitre 4, la stabilité politique et la paix dépendent étroitement des solutions apportées aux problèmes de sécurité en général et de la force publique en particulier. Les parties signataires de cet accord conviennent de la mise en place d'une commission nationale chargée à réorganiser la force publique. Même si on nous dit qu'aujourd'hui que la force publique a été ou soit en train d'être organisée, mais ce n'est pas d'une manière, ce n'est pas selon l'esprit de l'accord. Nous ne sommes pas représentés dans cette commission-là pour qu'on se rassure que c'est vrai ce qui se fait et aussi, c'est-à-dire adhère aussi notre point de vue.
Pour nous, nous disons que la réorganisation de la force publique n'a jamais été faite, puisque nous n'avons pas été impliqués. Nous, de notre côté, nous ne voulons pas, parce que nous sommes maintenant en politique, qu'on ne veut pas, en politique, on gère tout ce qui se passe au pays. Nous savons tout ce qui se passe. Nous ne voulons pas qu'on nous mette devant pour dire que, puisque c'est Ntoumi, l'homme de guerre, c'est sûr que c'est lui qui veut encore faire la guerre. S'il y aura encore la guerre dans ce pays, cette guerre-là ne partira pas de moi. Je suis en train de défendre la démocratie et ce que je dis, puisque je suis un homme de Dieu, je dis la vérité. Mais nous savons bien que quand nous faisons la lecture, beaucoup de choses ne marchent pas. Pour ne citer que les élections que nous voulons faire, c'est-à-dire les élections législatives. Dans les anciennes zones de conflit, pour exemple, il n'y a pas eu de recensement en 2002. Alors si on procède aujourd'hui à la révision des listes électorales, mais il n'y a pas de listes électorales dans le pool. Voyez-vous, nous sommes dans un département enclavé. Prenons l'exemple du district de Mindouli. Quelqu'un qui avait bien la volonté d'aller voter ou de se faire recenser, il est à Kimbédi. Mais de Kimbédi jusqu'à Mindouli Centre, ça fait seulement combien de kilomètres? Et quelqu'un de 50 ans ou de 60 ans qui sait qu'il ne peut pas laisser son foyer comme ça parce qu'il était muni, mais pourtant il voulait bien participer. Mais il n'a aucun intérêt, il ne peut pas aller jusqu'à Mindouli pour aller se faire recenser. Mais ça, c'est le devoir de l'État de prendre des dispositions de manière que cela se fasse d'une manière transparente. Il n'y a pas eu de recensement dans le pool. Nous ne devons pas tricher. Alors, nous devons maintenant aller aux élections, puisque le gouvernement veut forcer le passage. Et si nous disons non, ça montre que nous devons prendre quelle option. Et c'est pour nous pousser à quoi? Pour qu'on dise c'est toujours eux. Nous interpellons la communauté internationale. Alors, si la communauté internationale ne réagit pas, c'est un grand complot. Nous avons prôné la démocratie. Et dans des pays développés, la démocratie ne se passe pas comme elle est en train de se passer ici, au Congo. Alors pourquoi le peuple doit être toujours victime de la barbarie et de tout ce que les politiques entretiennent? Vous n'avez pas pitié de ce peuple qui chaque fois doit subir. Même si Ntoumi ne se lève pas, mais je vous dis qu'il y a le mécontentement partout. C'est parce qu'ils ont peur des armes. C'est pourquoi ils ne peuvent pas parler. Mais les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer. Nous devons dire la vérité. C'est pourquoi je pense que ce n'est qu'une étape. Quand on s'engage à défendre sa patrie, quand on s'engage pour défendre la République, on ne peut plus avoir peur. Si je ne venais pas à Brazzaville, c'est parce que je n'avais pas de garantie. Je pouvais bien venir. Je suis sûr et je suis convaincu parce que je sais. Mais Dieu m'a rassuré et je lis toujours le psaume 118. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de Dieu.
Je viendrai à Brazzaville. Puisque là, je suis en face du Premier ministre, le gouvernement doit nous rassurer. Je viendrai à Brazzaville. Puisque ils veulent forcer, nous ne voulons pas gérer un vide. À moins que la communauté internationale intervienne. Mais sinon, nous devons participer et pouvoir tout ce que nous pouvons obtenir. Nous avons déjà déposé nos dossiers. C'est une volonté pour dire que nous voulons bien. Mais la démarche n'est pas celle-là. Nous sommes en démocratie. C'est pourquoi ce que j'avais demandé, parce que ce sont les évêques qui sont venus me voir avec le comité de pilotage de la concertation citoyenne. Ils sont arrivés à Mindouli, là où j'étais. J'avais dit, nous devons prendre la concertation citoyenne à témoin. Mais entre-temps, moi je dois d'abord travailler. Parce que les armes que j'avais ramassées, je ne pouvais pas aller les stocker dans un seul endroit. Là où je parle, je n'ai pas de véhicule. Et parfois, quand je me déplace à pied. Et pourtant, je suis un partenaire de paix. Mais beaucoup de choses se disent. On lui donne beaucoup d'argent. Il est véhiculé, il est ceci. Il est même nourri. C'est archi faux. Pendant la cérémonie ou l'organisation de l'opération, la première phase, j'avais vu 10 millions. Mais eux, quand ils font des voyages, quand ils sont en mission, mais ce sont des avions qui défilent. Mais ce n'est pas seulement 10 millions. Et nous, quand vous entendez parler de millions, vous pensez que 10 millions, si c'était combien? Mais ça représente quoi? Avec les 10 millions, j'avais acheté quoi? Mais je n'avais acheté que du carburant. C'est pour dire que tout ce qu'ils ont dit à la radio, que nous l'avons donné 45 millions, nous l'avons donné ceci. Mais quand même, c'est un État, ils ne pouvaient pas donner de l'argent à mes collaborateurs sans les avoir signé des papiers. Qu'ils me montrent le papier qu'ils ont signé. Et peut-être que ce sont les collaborateurs du révérend pasteur Ntoumi qui l'ont joué. Mais moi, j'avais vu seulement 10 millions. Alors qu'à la radio, on disait que nous l'avons donné 45 millions. C'est pour dire que nous devons être vigilants. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas peut-être pour exciter quoi. Mais c'est pour réajuster ce qui est tordu. Moi seul, j'ai quel intérêt là-dedans pour m'exposer devant toute cette furie. Quand je sais que je n'ai pas seulement affaire au gouvernement, mais il y a beaucoup qui se cachent derrière le gouvernement. Mais je sais que je me suis déjà engagé. Je ne peux pas baisser les bras. Ce que je fais, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Et du gouvernement aussi, parce qu'ils ont aussi leur famille dans le pôle. C'est pourquoi les moyens qui devraient être mis à ma disposition à temps ne m'ont pas été parvenus. Et jusqu'à aujourd'hui, si je suis venu à bord de ces 4x4, ce sont des véhicules que j'ai loués. Et le gros bayou qui est là-bas, le bayou était destiné pour aller prendre la population qui devait venir participer à la concertation citoyenne. Mais ce gros bayou n'était pas destiné à Ntoumi. Et quand moi aussi j'ai dit, mais j'ai une garde que vous reconnaissez. Mais je ne peux pas venir à pied avec des gens en armes, en civil. Mais ça, c'est pas normal. J'ai descendu l'équipage qui était là. J'ai pris moi-même le contact.
mais on ne m'a pas donné de véhicule. Donc après cette opération, je dois restituer le moyen d'autrui. C'est un moyen qui appartient à l'armée. Qu'on ne dise pas de mensonge. Nous devons aussi édifier nos parents peut-être qui ne comprennent pas français. Bayaya bayayo. Bayaya bayayo. La paix. Yabu chele katuta masa mobeto. Mungutuka na ntete. Buta sala paix. Kala waku makome kuna futu tamika bantu chiyende nolo kubula. Lumucha uchi tala menundu kiri. Mungu amonsu ni mungu okele. Je vais vous dire que mais je suis prêt à répondre à toutes les questions. Ansa matta bashila akamushingu ngebene butala rapport de force ngelo mutepe matakwa yenaku bawo helicoptère bawo bemzena moba mwira rusibaba kubuni ngebubana pema kambo tesme mushingu nuwana abeka finalement ngepo na juste ko ndukishi leto no obiyo ye momo duksa tsono yo na songa tsimu Ce n'était pas une guerre civile, mais c'était une guerre contre les civils. Mais ça, ce sont des armes défendues par la Convention de guerre. Ce sont des armes de destruction massive. Le mot dit, c'est la famille de Zulu Zulu. Bibimba Bétoni Bitabonga sur le terrain de combat. Kangana. Et les causes, c'est le plus du Kouboulaka. En bon béton, quoi t'as banna caserne? En bon béton, quoi t'as banna base? Et les causes, population, quoi c'est le quoi Kouboudi qui m'a gâta? C'est moi le mien qui m'y a gâté. T'as mon ami Yangmounaga, bon goût, on a tout le temps. Tiens, vous m'entendez ainsi. Et quand, bon goût, va s'accaler la paix, il faut se dépasser. Il faut se surpasser. Telaka mbwawa boko. Ame tantu minga. Mugana salambo tena muntu ebu. Wawu nsevi nchi ya andini anu kushiribu bi. Nga katulia trak. Tugana salambo teku. Kala pe. Mungu bantu be kumanima meto. Meto tuweka kumatu. Si on ne se surpasse pas. Katu sa rondre. Service kukwe boba avansu batama kwe kutulani. C'est pourquoi. Je vais écouter Zunga, Boutabakoubang. Mais, c'est là que nous sommes en Zambia. 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 Mais oui, ça n'a pas de taxation, mais on ne peut pas nous tourner pour le poule.
pour diminuer l'électorat de Paul. Vous pouvez faire toute une semaine sans manger. Vous pouvez faire tout une semaine sans manger. Parce qu'il faut que ça calme mon yo. Après, oui, c'est là quoi tu peux, oui, c'est là au bon goût, je vais trouver ce scénario. Mais quand même, on a laissé c'est le bantou. Ça tout est, bon zonzi. Quand maintenant, on est en mode toi, dis ça, on me paye le béco, on va toi, dis ça. La mère de la concertation de la concertation. Nous sommes venus participer à l'ordre du jour. Mais vous n'avez pas eu, c'était depuis le 10 juin. Nativement, quand vous criez, tu comment vous l'avez. Vous l'avez promis, c'est plus que la prison. Je suis un citoyen et je pense que pour vous, c'est l'occasion de tomber. Vous me connaissez comment vous l'avez. Parce que, le nom de ce numéro, c'est la maison de tout. Béton. Quand tu vois pas parti politique, quoi. Mi ta sala, chimbe quoi ou quoi, y'a mion, y'a sa chi, sa boba yéna kumakanga. Y'a sa chi, sa MCDDI, y'a sa chi, sa UPADES, y'a sa chi, sa boba bansoni. Kal mouti, boba bele kumakanga, nous foutu kaka tama, foutu kaka, nous foutu kaka tama, foutu kaka. Beto, tous les chimbe, ça mou quoi ou quoi. Nous sommes tous les gens qui ont été privilégiés politiques. Ni toi moi ni Shilbo bakaka manabena. Ugu talaka bena bakaka manakonga bijiri. Yame si mekulemba kamito wa kako. Buna ni toi moi ni. Bakaka manakela kwa na tikuna. Yansi nta ngumo ichi yokela. Nous allons gérer un vide. Mais toi peni toi yidikiri parti. Ita tele Conseil National. Des républicains. Gachoko. Le débat à l'an, dans le la politique. Kounamatu. Dans la fond de Kosiba. Naba Kurunto. Katukadi Yako. Bongo politique, quand la saga yoko. Timu bongo, gacho yukutakwa. Kamu bongo dan mouani lanchi. Namu bongo dan mouani la bantu. Meni bonza agriou. Vuna nya umyompe vungu nzonzi mutu bana bokwa mutu saba tumukwe banguli kabobu luisiri tumono wa saba nchetu mbashiri wa intitulé concertation citoyenne batu kwa terenci pour les ressortissants du pôle kabobu tutenci kani. Ce sont des fils des départements Zakaka.
car c'est une concertation citoyenne pour le peuple. Citoyenne, ça montre que Muntu ou na mabanza. Kuna kulitu kiri kugata, kalabu kabeno bako lwena. Yole na tano, yole kumi. Asosasyo yina, chinchachi mfuka china. Mabanza mo mene, noka luka landi na mo. Tala yina ku yina, mumusamu. Meka yibali, une concertation dirigée. Donc, Muntu, obijiri, en tant que personne morale. Wazaba, tala mabanza mene, to. Pour que Babonga m'en prenne en compte. Bongo, Batasa Tissaka, Jonji, Katissa Sakako. On a un nouveau point de l'Ossouki, la Muntele Mundé Moukwa. Et la Soule! Merci, merci. Après le mot du président du CNR, nous allons très respectueusement inviter Monsieur le Commissaire Général. Permettez-moi, pour ne pas contredire le présentateur, que je ne suis pas le commissaire général. Je suis son adjoint dans ce dossier paix aux poules. Et comme il est empêché, j'ai dû venir parler à sa place. Monsieur le Premier ministre, chargé de la coordination de l'action du gouvernement et de privatisation, président du comité ad hoc. Madame et messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, monsieur le préfet, monsieur le prélat, mesdames et messieurs en vos grâces et qualités, aujourd'hui, comme l'ont souligné mes prédécesseurs, est un grand jour, car il met définitivement fin, nous l'espérons, à la situation dramatique après plus de 5 années de conflits armés. Vous vous souviendrez que, comme de nombreux pays en Afrique et ailleurs, la République du Congo a connu des crises récurrentes qui se sont aggravées d'année en année, pour atteindre un point culminant en 1997 avec la guerre du 5 juin qui endeuillait le pays tout entier. L'espoir de paix suscité par la fin de cette guerre n'a duré qu'un an jusqu'en décembre 1998. En effet, la paix a été perturbée dans 4 des 11 départements de notre pays. Ces départements sont entrés en rébellion avec les connaissances que vous connaissez. Pour mettre fin au conflit, les négociations engagées ont abouti à l'organisation d'une concertation nationale intitulée « Dialogue national sans exclusive » en avril 2001. Depuis, la paix règne dans trois des départements belligérants, à savoir la Bouenza, la Lekoumou et le Niari. Malheureusement, les populations du Poule, les hostilités ont perduré. Là également, après avoir guerroyé, les protagonistes du conflit, sur décision du président Denis Sassou Nguesso, président de la République, ont adopté une démarche tendant au règlement pacifique du conflit. Il faut ici souligner le rôle combien louable déployé par le président de la République et son gouvernement, ainsi que par les personnalités du département, dont le résultat s'est traduit par la signature des engagements croisés des 16 et 17 mars 2003, que certains d'entre vous connaissent bien
Excusez. Je ne m'étendrai pas sur les péripéties qu'a connu l'exécution de ces engagements. Je ferai plutôt mention de l'aboutissement de ceux-ci qui ont conduit à la création par le président de la République d'un comité ad hoc chargé du suivi des 10 engagements. Ce comité, composé des représentants du gouvernement et du Conseil national de la résistance, devenu depuis Conseil national des Républicains, a eu pour rôle d'apporter des solutions idoines à la crise du poule. Vous connaissez les conclusions des discussions en commission et en plénière, conclusions consignées dans un communiqué final. Depuis, le travail s'est poursuivi au sein d'une commission technique regroupant les représentants des deux parties. Les difficultés ont été surmontées progressivement et la récompense, c'est la cérémonie d'aujourd'hui qui met fin au conflit et qui va permettre de rebâtir le département du Poule, tant sur le plan matériel que sur le plan moral. Il faut ici souligner l'apport du Bureau de la concertation citoyenne des ressortissants du département du Poule à la mission du comité ad hoc. En effet, après avoir cru apporter la solution à la crise du Poule par les efforts propres des fils et filles du Poule, la conjugaison des efforts s'est avérée indispensable. Les différentes missions effectuées auprès du président du comité ad hoc, monsieur le Premier ministre Isidore Mvouba, et du président du Conseil national des Républicains, monsieur Frédéric Ntoumi Binsamou, par le bureau de la concertation citoyenne, ont contribué largement à l'évolution du dossier prêt au Poule. C'est donc avec plaisir que nous lui adressons nos remerciements du fait qu'ensemble, nous avons fait un bon travail d'équipe, du moins nous le pensons. À nos collègues du Conseil national des Républicains, je voudrais dire la satisfaction de ceux du gouvernement qui ont travaillé avec eux. Tout au long de nos discussions, nous avons su taire nos différences pour ne prendre en considération que l'intérêt du département du Poule et du Congo. Nous avons donc discuté, parfois âprement, mais nous avons su nous entendre et nous comprendre pour construire ensemble quelque chose de positif. Au comité d'organisation de la concertation citoyenne, je souhaite que celle-ci débouche sur quelque chose de positif qui fasse que la paix et la démocratie règnent dans le département du Poule. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, au comité ad hoc et à son Président, Monsieur le Premier ministre Isidore Mvouba, nous adressons nos remerciements pour la sollicitude et la patience dont ils ont fait montre dans la conduite de ce dossier. À tous, je voudrais dire qu'à l'approche des élections législatives, il faut tout faire pour éviter le retour des situations que nous continuons à déplorer. En effet, les élections sont dans notre pays porteuses de malheurs entraînant des crises de plus en plus meurtrières. Nous devons donc tous faire preuve de tolérance pour que triomphe l'unité nationale, la paix et la démocratie en vue de la reconstruction et du développement du département ainsi que de notre pays. Il faut souligner aujourd'hui, on peut circuler librement dans le département du Poule. Il faut que cette situation perdure. Pour cela, nous devons appliquer les conclusions que nous avions convenues ensemble, faisant qu'à partir de maintenant, tout porteur non habilité d'armes de guerre sera puni conformément à la loi. Mesdames, Messieurs, maintenant que le statut du président du CNR a été défini, il reste au Conseil national des Républicains de fournir au comité ad hoc dans les brefs délais la liste des 200 ex-combattants à recruter dans la force publique, la liste des ex-combattants à prendre en compte par le PNDDR, la liste des cadres du CNR susceptibles d'être nommés à des fonctions d'État pour parachever le processus en cours. Mesdames et Messieurs, nous saluons la décision prise par le président Denis Sassou Nguesso qui a voulu que la crise du Poule soit réglée pacifiquement. Les guerres ne profitent qu'à ceux qui les suscitent, même s'ils déclarent les faire dans l'intérêt de tous. Et pourtant,
les exemples sont nombreux, où même ceux qui les ont provoqués deviennent victimes de la machine infernale qu'ils ont eux-mêmes lancée. Promouvons donc le dialogue chaque fois qu'une situation devient conflictuelle. C'est la meilleure manière de maintenir la paix et la prospérité dans le pays. Je vous remercie. Action gouvernementale. Je vous invite très respectueusement à bien vouloir venir procéder à la mise à feu du bûcher symbolique, commandant Oyobé, officier artificier. Les filles et fils du poule. Le dernier poule, il y a l'allocution d'ouverture par le président du comité. Attaque. Représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués membres du gouvernement,
messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, Leur Excellence Anatole Milandou et Louis Fokela Bouyou, archevêque de Brazzaville et évêque de Kinkala. Messieurs les membres du directoire de la concertation citoyenne, distingués invités, mesdames, messieurs, voici venue l'heure de l'échange que nous avions activement voulu. Voici l'heure de donner enfin la priorité à notre département et partant à notre pays. Maintenant, mesdames et messieurs, nous inaugurons une ère de paix, de fraternité, de stabilité et nous l'espérons de prospérité avec la tenue de la concertation citoyenne tant attendue par les filles et fils du département du Poule, grâce aux efforts inlassables de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'homme de paix et de la concorde nationale. Il nous appartient de pardonner, de transcender, de ressouder, de réconcilier et de reconstruire ensemble notre département. Au nom de la population du Poule et à mon nom personnel, j'exprime notre gratitude appuyée à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui ne cesse de consacrer son précieux temps à encourager les filles et les fils du Poule à se parler, à se comprendre, à s'entendre pour le bien de notre département et partant de notre pays. Nous remercions également tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour la tenue de cette rencontre. Ayant terminé, nous souhaitons plein succès à la concertation citoyenne. Vive la paix, vive le département de Poule, vive le Congo, je vous remercie. À présent, mesdames, messieurs, nous allons suivre l'allocution d'ouverture. Excellences, Monsieur le Premier ministre, attention. Chargé de la coordination de l'action gouvernementale et des privations et représentant du Président de la République, Madame et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ambassadeurs, et les représentants des organismes internationaux, chers frères et sœurs du comité préparatoire de la concertation citoyenne, du comité ad hoc auprès du Premier ministre, chers frères et sœurs, autorités administratives, civiles, religieuses, l'événement que nous vivons à présent peut être regardé comme une sorte de happening d'un conte de fées. Certains n'y croyaient plus. Peut-être avec regret, peut-être avec résignation, peut-être même avec désespoir, peut-être aussi avec délectation, peu importe. Mais d'autres ont cru, ont espéré, ont attendu et ont travaillé. C'est l'occasion de rendre hommage et d'exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui, de manière ouverte ou discrète, ont mobilisé leurs ressources de cœur et d'esprit, ont donné de leur temps, de leur force, au prix parfois de leur propre santé,
pour qu'advienne ce moment de réconciliation que nous voulons célébrer. Je ne peux pas, dans ce cadre, ne pas évoquer les populations, les parents qui sont dans les villages et dans diverses localités de la région et qui ont été au contact quotidien avec les traces encore douloureuses des violences passées et qui ont été aussi au contact quotidien avec la présence souvent dérangeante, intempestive de nos jeunes, leur détermination à faire triompher la vie et de beaucoup dans ce que nous vivons à présent. Je tiens à m'acquitter d'un devoir, celui d'exprimer notre reconnaissance, notre profonde gratitude à l'endroit du président de la République, le chef de l'État, qui, avec la détermination, la discrétion et la patience qu'on lui reconnaît, a favorisé, encouragé et rendu possible cet événement. Notre reconnaissance aussi va en direction de Monsieur le Premier ministre ici présent, qui est lui aussi, en fonction de la responsabilité qui lui avait été confiée en qualité de président du comité ad hoc, n'a pas ménagé ses efforts pour cette cause. Merci particulièrement pour l'accueil, la compréhension et l'encouragement manifestés à l'endroit du comité préparatoire de la concertation citoyenne des ressortissants du pôle, et particulièrement à travers son comité du pilotage. Et avec le Premier ministre, comment ne pas évoquer ses collaborateurs immédiats du groupe restant, je cite le ministre Marius Mwambenga, malheureusement absent pour des raisons contraignantes, le ministre Nzungu Alphonse, le colonel Ombéré, le lieutenant-colonel Okemba, le conseiller politique Bokono Urbain, M. Gaëtan Angor, qui sont devenus pour nous des compagnons et des amis. Notre reconnaissance s'adresse aussi au président Kolela, qui depuis son retour au Bercail a manifesté son engagement ferme et sa disponibilité pour que nous parvenions à ce jour. Notre reconnaissance va en direction de M. Ntoumi Binsango Frédéric, qui, dès le départ, a manifesté sa volonté de parvenir à la paix définitive et à adhérer de manière explicite aux démarches engagées par le comité préparatoire. Sa présence parmi nous et l'acte auquel nous venons d'assister sont un signe évident de cette volonté de paix. Notre reconnaissance aussi va à l'endroit du corps diplomatique et d'une manière particulière à l'endroit des messieurs et dames de l'Union européenne, des États-Unis, de la France, de l'Italie, de la Belgique, de l'Afrique du Sud et bien sûr du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Une mention spéciale à l'endroit du représentant résident du système des Nations Unies qui, avec ses collaborateurs, a eu l'audace d'assurer une permanence active dans la région malgré une situation encore inconfortable. Nous ne pouvons pas oublier non plus les organismes humanitaires comme la Croix-Rouge et les Médecins Sans Frontières qui sont demeurés solidaires de la population au plus fort de la crise. Et que dire des autorités administratives, militaires et religieuses de la région, celles-là ont planté leurs tentes dans la tourmente. Elles ont fait corps avec la population et savent de quoi on parle quand on évoque la souffrance du peuple. Cette rencontre est donc le fruit d'une constellation d'engagement qui date de longtemps et nous ne cesserons jamais d'en être reconnaissants. Néanmoins, il y a une date qui mérite d'être soulignée,
celle du 15 février 2006, où, à l'initiative de quelques membres de la société civile et des évêques, une assemblée informelle des fils et filles du Poule avait été convoquée au Centre interdiocésain des œuvres. De cette assemblée est issu un comité chargé de préparer la concertation citoyenne des ressortissants du Poule. Et les objectifs étaient les suivants: agir pour la paix, la réconciliation et la reconstruction. Nous voici donc, après de multiples démarches, rencontres, échanges, facilitations, après les travaux en atelier au début de cette concertation, après le signe fort de la paix retrouvé à travers la destruction des armes, il nous revient de nous ressaisir, nous ressortissants du Poule, pour nous accorder sur l'analyse lucide que nous avons à faire de la situation de notre région et ses implications sur l'ensemble de notre pays. Nous devons aussi nous accorder sur une démarche commune de réconciliation et d'engagement pour garantir un avenir plus radieux. C'est dans ce cadre que nous aurons la joie de voir nos principaux leaders politiques approuver et signer un code de bonne conduite. Nous aurons aussi la joie d'adopter une charte d'humanité prenant appui sur nos valeurs culturelles. Et nous aurons surtout à mettre en place un dispositif institutionnel pour que les orientations issues de la concertation ne soient pas lettre morte, mais plutôt déclenchent un véritable processus de réconciliation et de résurrection. Nous pensons particulièrement au comité de suivi et d'évaluation avec son conseil de développement et son agence de développement en lien avec les autorités locales et l'Observatoire de la bonne gouvernance. Tout ce dispositif risquera d'être vain s'il n'y a pas une véritable réconciliation. Et j'oserais dire qu'il n'y a ni paix ni reconstruction sans réconciliation. Et qui dit réconciliation dit pardon. Monseigneur Desmond Tutu l'a bien déclaré, sans pardon, il n'y a pas d'avenir. Encore faut-il que ce pardon et cette réconciliation soient vrais et sincères, faute de quoi nous encourons tous le reproche qu'adresse Dieu à travers le prophète Jérémie au chapitre 6, versets 13 et 14. Tous, petits et grands, sont âpres au grain. Ils ont bien vite fait de remédier au désastre de mon peuple en disant « tout va bien, alors que ça va mal ». Permettez-moi donc de citer Mgr Desmond Tutu qui déclare « pardonner et se réconcilier, ce n'est pas prétendre que les choses sont autrement qu'elles ne sont. Ce n'est pas non plus se donner de petites tapes amicales dans le dos et fermer les yeux sur ce qui va mal. Une vraie réconciliation passe par la mise à nu de l'horreur, des mauvais traitements, de la douleur, de la déchéance et de la vérité. Parfois, elle peut même aggraver les choses. C'est une entreprise risquée, mais qui vaut finalement la peine, car c'est en affrontant la véritable situation qu'on peut espérer parvenir à une vraie guérison. Il y a une conviction qui nous habite. Le mal ne peut être vaincu que par l'amour et le pardon. C'est l'expérience que nous avons tous faite avec nos parents et particulièrement nos mères, qui nous ont aimés malgré le mal que nous leur avons causé. Et c'est cet amour qui nous fait vivre et grandir. C'est aussi le message essentiel de l'Évangile qui nous demande de pardonner 70 fois 7 fois et qui nous rappelle que c'est Dieu qui a l'initiative de cette réconciliation, comme le dit si bien saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Car de toute façon, c'était Dieu qui, en Christ, réconcilier le monde avec lui-même, ne mettant pas leur faute au compte des hommes,
et mettant en nous la parole de réconciliation. Je voudrais ici dire que c'est celui qui pardonne qui est le premier bénéficiaire du pardon, du fait qu'il ouvre l'espace de son être intérieur à la puissance de l'amour qui seul renouvelle, reconstruit et guérit. En pardonnant, nous affirmons, nous dit Desmond Tutu, notre confiance dans l'avenir de nos relations et dans l'aptitude de celui qui nous a nui à prendre un nouveau départ et à s'engager sur une nouvelle voie. Nous pouvons donc faire de cette rencontre le moment d'une véritable renaissance en profondeur de notre communauté régionale et, par ricochet, de notre communauté nationale. C'est cela que nous demandons à notre Dieu, entre les mains de qui notre pays a été placé. Puisse Dieu, par son amour qui envers nous s'est montré le plus fort, comme le chante le psalmiste au psaume 116, nous rendre capables de ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais d'être vainqueurs du mal par le bien, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Je voudrais terminer par ces paroles du pape Paul VI, tirées de son encyclique sur le développement des peuples et tirées aussi de son message pour la Journée mondiale de la paix en 1974. La paix se construit jour après jour dans la recherche de l'ordre voulu par Dieu. Et elle ne peut fleurir que lorsque tous reconnaissent leur responsabilité dans sa promotion. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, le temps nous est compté. C'est pourquoi je veux faire bref. Bref, pour dire au nom du gouvernement de la République et de son chef, le président Denis Sassou Nguesso, toute notre joie d'avoir participé à cette cérémonie émouvante. Nous venons de vivre assurément un événement majeur dans le département du Poule, mais aussi dans notre pays. Ce qui vient de se passer prouve à souhait que, avec la volonté, on peut tout faire et que la volonté montre le chemin. D'abord, la volonté du président Denis Sassou Nguesso, homme de paix, faiseur de paix, qui a cru en la paix lorsque, comme il a été dit tantôt, certains, sinon beaucoup d'entre nous, n'y croyaient plus. La volonté de son gouvernement, des membres du comité de suivi et du comité ad hoc, mais aussi la volonté de notre partenaire, je fais naturellement allusion à M. Frédéric Binsamou et son équipe. Je voudrais particulièrement relever le rôle plus que positif de celui qui m'a secondé au niveau du comité ad hoc. Je parle, vous l'avez compris, de M. Richard Binsamou, frère cadet de M. Frédéric Binsamou. J'aimerais aussi relever le rôle plus que majeur, décisif, des messeigneurs Portela Bouyou et Milandou, ainsi que tous les membres de la concertation citoyenne qui n'ont pas aménagé leur peine, parce qu'à chaque jour suffit sa peine pour que nous arrivions à cette
rencontre historique de Kinkala. Aujourd'hui s'ouvre la concertation citoyenne. Je voudrais, au nom du président, exprimer tous nos souhaits de succès pour que la concertation qui s'ouvre ici et maintenant ne vive pas la fatalité de Yukama ou de Kinkala, afin que le poule, plus que martyrisé, sacrifié à l'autel de la bêtise humaine, rejoigne les autres communautés de la République pour revenir à elle. Je voulais également dire toute notre admiration aux enfants du poule. Parmi ceux-ci, je tiens à relever la présence remarquable du président Kolela, ainsi que la communauté internationale qui nous n'ont jamais abandonnés dans les moments difficiles que notre pays a connus en général et le poule en particulier. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire toute votre joie de constater ici en direct que notre frère, notre parent, Monsieur Frédéric Binsamou, a pris ici et maintenant l'engagement de rentrer à Brazzaville, de prendre ses fonctions au cabinet du chef de l'État afin de participer à la grande œuvre de reconstruction de notre pays. Trop par les nuits, j'aimerais une fois de plus souhaiter aux enfants du poule, aux enfants du Congo, bonne réconciliation et dire au département du poule qui nous a accueillis avec beaucoup de fraternité, merci et une fois de plus, merci. Le départ également des corps diplomatiques. Merci. Monsieur le Président. Oui, mais Brazzaville est une autre étape. C'est ça. C'est la prochaine. Allez, on va voir. Voilà. Ah. Bon. S'il vous plaît. Attention, Chicon! Attention, Chicon! Attention, Chicon! Attention, Chicon!